Everybody's got to do something. They got to be something. Sometimes I just get tired of thinking of all the things that I don't want to do, all the things that I don't want to be. How come nobody sits next to her? She's crazy. Crazy? Oh. You're the damnedest barfly I've ever seen. Hobbies, none. Religion, none. Education, none. No, what the hell are you doing? The word asks your sex, you've written none. Well, hardly none. Your life is just a bunch of cans. You can't work, and you can't fight. I could look at a woman's legs for hours. I got nothing but time. You know, every time I get with a woman, something happens. Stop or on fire! You're Henry Chinaski. I'm one of the main producers of the Contemporary Review of Art and Literature. We've discovered you. Oh, I had an idea that I'd be discovered after my death. How does it feel to be on the other end? I smell it. Perfume. Where's the bedroom? Come on! Yeah! Baby, look around. It's a cage with golden bars. Either you get out of here or I'm gonna peel you away from your perfume. We don't have to be barflies right down to the grave. Mickey Rourke. Just one thing. I don't ever want to fall in love. Faye Dunaway. Don't worry. Nobody's ever loved me yet. Barfly. Life on the Edge, as seen by Charles Bukowski, directed by Barbet Schroeder. Barbet Schroeder. C'est un film fait en 32 jours et ça a l'air d'un film, je ne sais pas d'où il sort parce que c'est une copie... Une copie où tout est flou. Non, c'est une copie d'exploitation de 1987. Sans blague. C'est peut-être celle que j'ai vue à l'époque. Bon, je pense que c'est vraiment une copie d'exploitation de l'époque. Parce qu'en fait, le film... Bon, mais alors, j'ai rien dit. Moi, je suis désespéré, mais enfin... Je voyais autre chose, moi. Mais voilà. Parce que ce film... continue à avoir une vie compliquée parce que, par exemple, il n'y a pas de DCP, il n'y a pas de sauvegarde du film. À qui appartiennent les droits aujourd'hui? J'ai été à la société qui, à l'époque, avait racheté les droits, qui était... donc, c'était Menahem Golan, qui était... Ouais, le producteur. Et puis, ça avait été vendu à Metro Goldwyn. Et dès que c'était vendu à Metro Goldwyn, c'était parmi les fonds de... J'ai été là-bas, j'ai dit, écoutez, j'ai une société de production française, je suis intéressé de racheter le négatif. Ils m'ont dit, mais vous rigolez ou quoi? J'ai dit, ben non, pas du tout. Non, mais c'est le film qui nous rapporte le plus d'argent, alors, dans la librairie. Alors, on ne va jamais le vendre. Bon, ben voilà. Ben voilà. Oui, mais alors c'est incompréhensible, parce que si c'est le film qui leur rapporte le plus d'argent, ils devraient le numériser. Oui. Aujourd'hui, où sont les droits? C'est-à-dire que c'était la MGM dans les années 90. Oui. Et depuis, je sais pas ben où voilà. C'est passé, bien sûr. Non. Si bien que pour projeter le film aujourd'hui, c'est presque un défi. Oui, donc oui, là, il y a un vrai chantier qui s'ouvre. Oui, en tout cas, voilà. Bon, oublions ça. Copie d'époque ou pas copie d'époque, quand même, on a pris les uns et les autres un immense plaisir à revoir le film. Oui. Vous en avez revu la fin. Oui, oui. Et ce qui m'a frappé en le revoyant, encore une fois, c'est qu'effectivement, quand on y reviendra sur les galères de production ou de pré-production que vous avez eues. Mais quand vous essayez à l'époque d'intéresser quelqu'un au film, vous disiez tout le temps, rassurez-vous, c'est des clodos, mais c'est drôle. Oui. Et personne ne vous croyait. Oui. Et pourtant, c'est vrai, c'est authentiquement drôle, ce qui fait que le film, au lieu d'être, comment dire, misérabiliste, est tout le temps, on est tout le temps au spectacle ou au rituel des uns et des autres. Mmh. Est-ce que c'est ça qui, dans la prose de Bukowski, quand vous l'avez découvert, la prose, la poésie de Bukowski, est-ce que c'est ce ton qui vous a plu ? Oui, entre mille autres. Et quand on découvre Céline, on aime le ton aussi, et on se dit, c'est drôlement dit, c'est extraordinairement dit. Et là, j'ai découvert un immense écrivain et qui m'a réjoui à chaque page, mais en même temps, qui disait des choses très tristes aussi. Et vous l'avez découvert à quel moment, Bukowski? J'entends pas le personnage, mais voilà. Les livres, vraiment... Je vais vous dire exactement, c'est très clair. Ma période américaine commence à San Francisco, quand je tourne Coco le Gorille. J'étais venu là-bas spécialement pour tourner Coco le Gorille. J'ai tourné là-bas... Fin des années 70? Oui, je sais plus très bien. Ouais. J'ai tourné le Coco le Gorille et... j'ai décidé de le monter sur place parce qu'il y avait encore des choses que je voulais filmer. J'ai fait venir Denise de Casabianca, qui était là-bas avec moi pour la monteuse. Et puis, pendant tout le montage, j'habitais d'ailleurs dans un motel différent chaque soir avec ma grande voiture. J'allais me garer dans différents motels, changer tous les soirs. Et... donc, où est-ce que j'en étais avec cette histoire? À Coco le Gorille qui parle. Vous vouliez finir Coco aux États-Unis? Oui, voilà, c'est ça. Alors, à la fin du montage Coco, mon ami Tom Ledy me dit, tu sais, il y a un écrivain que tu dois découvrir, un écrivain américain qui est extraordinaire. J'ai tout de suite été à la librairie, la fameuse librairie. J'ai acheté un livre de Bukowski. Je l'ai lu le lendemain, j'ai acheté toutes les œuvres, j'étais devenu fou. Et puis après, dès que le montage de Coco était fini, j'ai été là-bas à Los Angeles, impossible de trouver son téléphone, impossible de le trouver. J'ai demandé à qu'est-ce que j'ai demandé? Comment j'ai fait pour le trouver? J'ai demandé à un détective de me le trouver. Et il l'a trouvé, c'était un ami détective de San Francisco, il y a une longue histoire, j'avais un projet avec lui. Un ami détective le trouve, je l'appelle et je lui dis, écoutez, voilà, je suis cinéaste, je voudrais faire un film avec vous. Je voudrais... il dit, forget it, et il raccroche. Il dit, bon, d'accord, ben... je rappelle, j'ai dit, je ne sais pas, parce que vous venez, vous êtes né ici à Ibiza, vous avez à Los Angeles, vous avez grandi, et peut-être que vous vous rendez pas compte qu'en fait le cinéma, c'est pas toujours complètement ce que vous avez vu depuis votre enfant, et que ça peut être très sérieux, et que je veux moi faire un film de respect pour vous. Il dit bon, d'accord, bon, alors on veut passer ce soir, on va discuter. Et puis, je suis passé ce soir, et puis on a passé une soirée fantastique, et puis on ne s'est plus jamais quitté. Voilà. Mais en fait, il était très méfiant et hostile à Hollywood, au cinéma que faisait sa ville. Enfin, c'est... Voilà, exactement, c'était ça. Pour lui, sa ville, c'était une ville bidon, tout était bidon. Tous les films étaient bidons, ce n'était pas la réalité, le cinéma. Donc, il détestait le cinéma parce que le cinéma mentait. Voilà. Alors, il a fallu lui donner 20 000 $ pour le convaincre? Oui, c'est-à-dire que... Oui, je lui ai demandé de faire un scénario, c'est-à-dire on en a discuté, mais je lui ai demandé de faire un scénario et... Et il a dit quoi? Vous voulez me payer? Mais ça, moi, j'accepte tout de suite. Très bon, on va le faire. Et puis après, on ne s'est plus quitté pendant des années, Voilà. Mais quand vous êtes d'emblée, quand vous lui parlez ou que vous avez l'idée d'un film écrit par lui, vous auriez pu avoir l'idée de lui demander d'adapter un de ses romans. C'est une des premières choses que j'ai fait. J'ai dit, je veux pas adapter. J'ai lu toutes les nouvelles en regardant de très près si je pouvais trouver un moyen de faire un film de ça. Non, il faut qu'on trouve quelque chose, parlons-en. Et puis, on a parlé. Il a dit, voilà, bon, ma grande histoire d'amour, bon, c'était quelque chose de très important pour moi dans ma vie. C'était quelqu'un qui était comme moi et qui était... que j'ai adoré, que j'adore toujours, mais qui n'est plus maintenant. Et c'était donc Wanda. Et il avait parlé de Wanda. Et en fait, il en a parlé aussi, d'un bar dans lequel il était et où les gens se battaient tous les soirs et qu'ils picolaient, ils se battaient, etc. Et puis, on a pensé mélanger ces deux choses. C'est-à-dire que le bar était de Chicago et l'histoire avec Wanda était de Los Angeles. Et donc, on les a mélangés. Et voilà, voilà le résultat. Mais pourquoi vous ne vouliez pas adapter un roman déjà écrit après? Parce qu'au début des années 80, Marco Ferreri fait Conte de la folie ordinaire d'après Bukowski. Je déteste. Je déteste ce film. Et il se trouve que j'ai été voir Conte de la folie ordinaire en projection privée à Los Angeles avec Bukowski, qui s'est mis au premier rang. Et puis, bon, il y avait quelques petites réactions. Et je ne sais plus à quelle réaction, mais tout d'un coup, Bukowski... ah oui, je ne sais plus, quelqu'un a dit « Mais qui êtes-vous pour dire ça ?» ou « Qui êtes-vous pour réagir comme ça ?» Et il a dit « I am the writer ». Je suis l'écrivain. Et c'était donc ce film-là, je trouve, c'était une trahison de Bukowski de toute façon, et ça lui plaisait pas beaucoup, et voilà. Mais à partir du moment où vous décidez de le décider lui à écrire un scénario original, oui, vous aviez, disons, l'espoir ou l'horizon que ça puisse être adaptable tout de suite en film, ou il y aurait tout un... Ah non, c'est un film. Oui. Un film. Mais je veux dire, j'étais avec lui au fur et à mesure qu'il écrivait, et je lui ai dit, voilà, pour écrire... oui, non, en fait, il y a une anecdote très précise. Il a écrit les 10 premières pages. Et je l'ai lu, et évidemment, c'était pas un scénario. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, voilà... je vais te lire maintenant en te disant les minutes. Et ça faisait 15-20 minutes, même pas plus. C'était beaucoup trop long, le temps d'écran. Et je lui ai dit, voilà, le cinéma, c'est toujours concentré. Et je lui ai parfaitement expliqué tous les détails, pourquoi les dialogues ne devaient pas être trop envahissants, qu'il fallait que ça aille toujours au point, etc. Et il a tout de suite compris, et il s'est remis au travail, et il n'y avait plus de problème du tout. Voilà. C'est venu, il a appris du jour au lendemain à être scénariste. Voilà. Mais les problèmes ont commencé quand il a fallu intéresser des gens à ce scénario pour qu'un film se fasse. Parce que ce dont on parle, c'est le début des années 80. Oui. Et le film, il est de 1900. Enfin, il sort, montré à Cannes, en 1987. C'est cool, 7 ans. 7 ans de cauchemar pour arriver à faire ce film. Oui, j'ai persisté. Et donc... alors, attendez. Il fallait intéresser, donc... voilà, c'est ça. Alors, c'est très simple. Il y avait un autre film à cette époque qui avait des problèmes pour se faire. C'était un peu à la même époque. C'était un film qui a été un immense succès à San Francisco. Bon, maintenant, je ne me rappelle plus le nom, évidemment, mais ça va venir. Un film de Miloš Forman. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Comment? C'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, ouais, exactement. Alors, Vol au-dessus de coucou... Impossible de financer ce film. On le donnait à tous les financiers. Eux, ils sont passés dans le même truc que Barfly. Ils donnaient à tous des financiers. Les gens disent non, vous n'allez pas quand même pas me dire que vous allez filmer dans un asile un truc qui est comique. Comment on va faire une comédie dans un asile d'aliénés? Non, c'est pas possible, c'est impossible. Et moi, c'était... Quoi, vous allez faire un truc où les gens se saoulent tout le temps la gueule et ça va être, je dis oui, ça va être très positif, très humain, très réjouissant. Et il dit mais non, mais foutez de ma gueule. Voilà, c'était très simple, c'était impossible. Et ben, il y est arrivé. Pourquoi est arrivé Miloš Forman? Parce qu'il avait un producteur génial qui, lui, a lutté contre ça. Il a mis son propre argent et c'était Mercer, je crois que ça s'appelle. Michael Douglas, non? Michael Enfin, là, le fils de Kirk Douglas a produit non, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y avait un vrai producteur. Bon. C'est pas le vrai. Non, non. Bon, enfin, bref. Donc, impossible. Comment? C'était donc impossible au départ de trouver quelqu'un pour l'intéresser. Alors, on a essayé de faire une deuxième version. Ça, c'était pareil. C'était une version un peu améliorée, mais il y avait pratiquement... C'était la même chose. Et puis, donc, ben voilà. Alors, mais avant d'arriver au fameux Canon de la Golan Globus, il y a eu un premier projet avec, je crois, James Woods était prévu dans le rôle de Mickey Rourke. Il y avait... et puis ensuite, il y a eu l'affaire Sean Penn, comment il s'appelle, Denis Hopper. Oui, oui. Donc il y a eu tout... où ils ont failli vous voler le film, littéralement. Oui, oui. C'est-à-dire que, comme je n'arrivais pas à financer ce film, je me suis dit, peut-être que si je le fais publier, que j'ai les droits, c'est mon livre, je peux aller voir des producteurs en leur disant, écoutez, voilà, j'ai les droits de ce livre. Je pensais que ça marcherait mieux si je disais, j'ai les droits de ce livre. Et puis, donc le livre était disponible. Et puis, il y a eu un acteur qui a dit, ah, c'est bien, je vais aller voir. Il a fait ce que j'avais prévu de faire. Il a été en disant, voilà, j'ai les droits, je peux acheter les droits de ce livre, voulez-vous l'acheter avec moi? Et moi, je suis prêt à jouer. Et évidemment, il était aussi prêt à mettre en scène, je crois. Mais donc, j'ai dû... Vous avez dû intervenir. Voilà. Et donc, oui, parce que j'avais passé suffisamment d'années là-dessus pour... Et donc, j'avais oublié cette histoire, tu vois. Et donc, il y a eu voilà, le projet Sean Penn de Denis Hopper. Mais ce qui a débloqué la situation pour Barfly, c'est qu'en fait, la star montante du cinéma américain de l'époque, peut-être aujourd'hui, il est un peu oublié, comment ça a fini par intéresser Mickey Rourke? Ben, je l'ai approché, je lui ai envoyé. Je ne sais pas s'il a répondu la première fois. J'ai insisté. J'ai l'impression que sur ce film, vous avez énormément insisté. Beaucoup, tout le temps. J'y croyais complètement. Vous aviez l'air d'être le seul parce que, comment dire, Bukowski lui-même, il vous aidait un peu? Oui, ben oui, on se voyait, je sais pas, chaque semaine. Je lui donnais des nouvelles. Et après, il a écrit un livre là-dessus. Ah oui. Il a écrit un livre sur la fabrication. Hollywood. Et il me l'a dédicacé. Ah, absolument. Comme si j'étais le héros du livre. Bah, vous êtes un peu le héros du livre avec lui. Et donc Mickey Rourke s'intéresse, lui, au projet. Oui. Il s'intéresse au scénario. Et ça vous aide? Oui, évidemment, c'était une star chaude à l'époque. Je crois que ça a aidé. Je ne me rappelle plus les détails, mais je sais que, bon, finalement, il y avait quelque chose qui rendait tout possible. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y a là aussi, c'est un peu oublié aujourd'hui, comme un peu la figure de Mickey Rourke. Dans les années 80, il y avait une société de production un peu bizarre qui avait pignon sur rue à Hollywood depuis le début des années 80 et qui était menée par deux lascars qui s'appelaient Menahem Golan et Yoram Globus, oui, qui avaient fondé donc la Canon. Comment décrire la Canon et la production de la Canon dans les années 80? Ça allait de Jean-Claude Van Damme à Jean-Luc Godard. Il y avait... Surtout des films d'exploitation. Surtout là-dessus qu'ils avaient. Chuck Norris. Donc c'était des films d'exploitation, des films pour amener de l'argent, Exterminator 2, Ninja 3, enfin bon... Menahem Golan était metteur en scène. Et Menahem Golan, absolument. C'était ça le côté où on pouvait dialoguer avec lui. C'est ça qui a fait le côté spécial de cette compagnie de films d'exploitation... déjà complètement financé par des préventes, etc., et dans laquelle vraiment la qualité venait tout à fait en dernier. Mais quand même, il avait le goût du ciné. Il était capable de voir un bon film. Il était capable d'en produire des centaines, mais il était capable de voir s'il y en avait un bon. Et quand il a vu celui-là, il était très ému, il était très fier, et vraiment, ce Menahem Golan, il nous... Il était bien. Ben, ils avaient décidé, en fait, c'était deux aventuriers un peu israéliens qui avaient décidé de conquérir le monde et de sortir de Chuck Norris en faisant des films de prestige, en fait. Oui. Et il y avait une... Barfly, je ne crois pas que c'était ça. Tu ne crois pas? Parce qu'en même temps, ce qu'ils voulaient, c'était Cannes. C'est-à-dire que leur terrain de jeu, c'était le festival de Cannes. Peut-être. Et l'obsession, c'était à un moment de gagner des prix. Moi, je crois que ce qui les a... J'ai été voir Menahem Golan, je lui ai parlé. Il n'avait pas lu le scénario. Je lui ai parlé de l'acteur, de Mickey Rourke. Et là, il a dit, oui, d'accord. C'était vraiment le nom de Mickey Rourke. Oui. Le film avait un budget de c'était quoi, 5 millions de dollars? Oui, c'est ça. 1 million plus le salaire des stars. Oui, donc ça faisait un peu plus que ça, quand même. Oui, mais enfin, je crois que Faye Dunaway n'a pas touché grand-chose et qu'elle n'a jamais touché ce qu'on lui avait promis. Non, c'était comme ça que ça, c'est comme ça que ça se passait. La musique aussi, j'ai pris plein de musique. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert un jour, un musicien me dit, tu sais que j'ai jamais reçu un sou. Donc, avec Golan et Globus, on ne sait pas où on allait, tu vois. Oui, parce que vous dites qu'ils se sont intéressés au projet et qu'ils l'ont financé, mais ça a été avec eux une drôle de danse, quoi. Ça a été très, très chaotique. Oui, oui. Ils se sont retirés, ils sont revenus dans le projet. Enfin, le livre de Bukowski Hollywood raconte en partie, mais vous aussi, vous avez beaucoup raconté cette histoire. Et peut-être que pour les plus jeunes, elle mérite d'être racontée parce qu'elle dit votre persévérance, votre enthousiasme pour le projet, mais vous êtes allé très loin pour leur reprendre en quelque sorte, à un moment où ils se désintéressaient du projet, leur reprendre les droits du scénario. Alors là, c'est une histoire très longue, hein. Je vous préviens tout de suite. Il ne faut pas se lancer. Elle est dans le livre ou pas? En partie, mais j'aimerais avoir votre version. Bon, d'accord. Ben, je vais essayer de réduire complètement. Pas trop. Parce que... bon, bah alors, d'accord. Ben, la situation était très simple. C'est que Menahem Golan ne voulait pas faire le film. On était en préparation, on était sur le point de tourner, et tout d'un coup, boum, ça s'est arrêté. Il n'avait plus d'argent, il dit « je ne peux pas ». Alors j'ai dit « écoutez, je vais faire un deal avec vous, je vais chercher, moi, personnellement, dans toutes les sociétés de Los Angeles, celles qui sont capables de financer ce film. Il y avait Faye Dunaway aussi, maintenant, donc j'allais voir tous les gens. Je dis avec Faye Dunaway, avec Mickey Rourke, voilà le projet, on est prêt à tourner, voilà tous les plans de financement, voilà exactement les gens, vraiment, ils savaient exactement où ils allaient. Il n'y avait aucune chose qui n'était pas préparée, pas spécifiée. Et donc, personne neveu de ce projet, avec ces deux stars, avec un prix ridicule, personne n'en veut. Alors, donc là, c'était quand même angoissant. Et un beau jour, il y a un type qui appelle, je ne sais plus son nom, je ne vais pas le dire, ce n'est pas la peine, un type dans l'immobilier, qui dit, voilà, ça m'intéresse. Je dis, ouh là là, ben oui, bien sûr. Si vous voulez discuter avec M. Menahem Golan, c'est très intéressant, oui. Et puis, on se rend compte, parce que quelqu'un d'autre me rappelle, me dit, dites-moi, ce monsieur, Loupnik ou je ne sais pas quoi, il m'a appelé pour me dire que ce projet, il pouvait me le vendre pour 6 millions de dollars. Or, c'était beaucoup plus que ce qu'on... Donc, c'était un type qui voulait se faire de l'argent sur cette histoire et qui n'était pas du tout intéressé à faire le film. Donc, c'était totalement désespéré. Et j'ai donc... Mais à ce moment-là, Menahem Golan lui-même ne voulait plus libérer les droits, c'est-à-dire qu'il essayait lui-même de, comment dire, à toute personne intéressée, de lui vendre en quelque sorte le scénario dont il avait dit qu'il était libre. Voilà. Alors il y a eu un sac de nœuds épouvantable. J'étais complètement désespéré. J'ai dit bon bah tant pis. J'ai passé la nuit sur le trottoir à écrire la lettre qui lui disait que le lendemain matin, si il me donnait pas ses droits comme il l'avait promis et tout ça, j'allais me couper le petit doigt, voilà. Et donc, j'ai été acheté dans une quincaillerie. Il y a des petites, scies comme ça, et donc petite scie électrique, Black & Decker. Voilà, une petite Black & Decker de poche. Et je l'avais encore chez moi. Je la cherche pour la donner à la Cinémathèque, mais je ne la trouve pas. Et donc. Donnez votre petit doigt. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit donnez votre petit doigt. Non, oui. Plutôt le Black & Decker. Non, alors donc, j'avais eu les ongles incarnés dans les deux orteils et j'avais eu une opération d'un médecin qui avait coupé, une opération normale. Et j'avais vu à cette occasion sur leur étagère des choses pour endormir. Et donc, je suis retourné sous un prétexte, j'ai volé la bouteille pour endormir, j'ai pris une injection, et donc, moi, quand je suis rentré, j'ai pu injecter ma main, je ne sentais plus rien, et j'étais crédible quand je disais je vais couper, parce que j'allais vraiment le faire. Mais la minute où ils ont vu que j'étais... dans le bureau, donc vous êtes arrivé dans le bureau de la... Oui, et quand ils ont vu que j'étais vraiment complètement déterminé et que j'ai sorti ma scie, ils ont dit non, 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 arrêtez, arrêtez, on vous donne tout, etc. Voilà. C'est tout, voilà l'histoire. Mais comme vous dit Bukowski dans le livre Hollywood, en sortant, puisque Bukowski dit avoir assisté à toute la scène, oui. Ça je sais pas, et il vous dit, bon maintenant, John, parce que dans le livre il vous appelle John ou Yon, dis-moi, la question à 1000 balles, tu l'aurais vraiment fait ? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Ouais, vous étiez... Évidemment, non, ben, je joue pas au piano. Donc, c'était ça ma réponse. Qu'est-ce que j'ai à faire d'un petit doigt, me gratter l'oreille? Non, c'est pas méchant, hein, c'était juste le bout, hein, c'était pas... Si ça fait pas mal, et si c'est juste le bout, et qu'on joue pas au piano, et qu'on... Bon, c'est quand même... Ça vaut bien un film comme ça, non? Voilà. Mickey Rourke, qu'est-ce qui l'intéressait? C'est-à-dire, c'était Bukowski, est-ce qu'il avait lu ses livres? Du tout. C'était la performance d'acteur, c'était le côté acteur studio, composer un personnage, un ivrogne, loin du beau gosse qu'il était? Je pense que la vérité est plus triste que ça, mais tout simplement, c'était un tournage très court. Très très court, quelques semaines, et que donc cet argent-là pour si peu de semaines, il n'avait pas reçu avant. On lui avait offert, je sais pas, $1 million ou plus, et pour si peu de semaines, ça lui paraissait quand même énorme. Et il connaissait pas Bukowski. J'ai essayé de les faire se rencontrer, rien à faire. Enfin, pas rien à faire, il n'en est pas sorti ce que j'espérais. C'est-à-dire, il n'est pas sorti fou amoureux de Bukowski comme je l'avais prévu, comme j'espérais. Et donc, par contre, ce qui s'est passé, c'est que, comme moi, j'étais complètement fou de Bukowski, que je le connaissais par cœur, et ben, chaque fois qu'il... J'ai jamais eu un travail aussi extraordinaire avec un acteur, parce que il faisait quelque chose... une prise, il me regardait et il me disait je sais ce que tu veux, je sais ce que tu veux, on en refait une. Et donc je n'avais pas besoin de dire refaisons une prise, il avait tout de suite compris et quand il la refaisait, pile, c'était comme si j'avais parlé par télépathie, il faisait exactement la prise, génial. Et donc, moi, j'étais en extase et lui était très content aussi. Et donc, on a tourné à toute vitesse, une prise, deux prises. Au bout de 3 prises, c'était bon. Jamais plus. Et donc, c'était un miracle, quoi. Pour moi, c'était un miracle total parce que il connaissait pas Bukowski. Je lui disais, bon, ça, Bukowski ferait jamais. Et il y avait des trucs que j'avais tout de suite repérés chez Marco Ferreri, parce que je voyais des trucs, je disais, mais là, Bukowski ne ferait jamais ça. Et quand Bukowski a vu le film, il a dit, bon, bah, c'est très bien, il l'aimait beaucoup, mais il y a quand même une scène où, bon, j'aurais pas fait ça quand même. Ah, je dis, ah bon, laquelle? Qu'est-ce que c'est? Alors, il dit, quand il est en train de boire avec Wanda, quand il la rencontre, il boit de la bière. Et puis, à un moment, ils s'en vont. Et ils laissent la bière sur la table. Ça, jamais j'aurais fait ça. Oui, c'est-à-dire qu'il finit pas la bouteille, en fait. C'est ça. Pour un alcoolique, c'est impossible. Il a bu ce qu'il fallait pour la prise, comme ça. Et puis, il avait... Voilà. Mais il a fallu, avant cette espèce d'idylle de télépathie entre vous... Oui. Il a fallu lui dire non. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il est arrivé avec ses idées préconçues. À lui, le côté chemise hawaïenne, etc. Oh là là. Lui, il avait été garçon sur la plage de Miami. Et ça, c'est une race un peu spéciale de gens qui étaient... Je ne sais pas exactement. Ils s'habillaient d'une certaine manière. Ils étaient... Et donc... lui, il voyait ça comme personnage. C'était un espèce de... Il voyait comme un espèce de hippie. Je sais plus très bien qui c'était qu'il voyait comme personnage, mais c'était pas le mien, certainement. Ouais. Et donc, sur les habits, ça a commencé. Et puis alors, un jour, ça a été terrible. Il me dit, voilà, j'ai trouvé les lunettes du personnage. Alors, je dis, ah bon, fais voir. Et je sais pas si vous avez vu, quand il est chez l'écrivain... Il essaye une paire de lunettes. Quand il est chez l'éditrice. Oui. Chez l'éditrice, voilà. Des lunettes ridicules, évidemment. Et c'était ça qu'il voulait. Et alors, je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine de continuer. Si c'est ça, les lunettes, si c'est ça, le personnage, pour moi, c'est pas le film, pour moi, c'est pas toi. Et alors que... J'avais lutté 7 ans et lui, il était en train de me dire que je devais accepter une paire de lunettes qui n'était pas pour lui. Donc là, je trouve que c'était là le moment le plus dangereux pour le film. Parce que moi, je n'allais pas faire ça. Et je lui ai dit non, il s'est fâché, etc. Et puis, j'ai réfléchi et puis je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai une idée... tu vas porter ces lunettes dans le film. Ah, il dit, ah bon? J'ai dit, mais juste un moment. Très court. Et voilà. Et c'est dans le film, voilà. Ouais. On voit bien que, en fait, non seulement il faut être tenace, mais il faut aussi ruser en permanence. Ouais. Il faut tricher. Il faut tout. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Voilà. Quand même aussi, alors sauf si vous me démentez, Mickey Rourke a eu une autre importance dans le film, c'est que c'est lui qui a voulu ou qui a désigné ou qui a pensé à Faye Dunaway. Oui, ouais, il l'avait rencontrée et elle lui avait dit qu'elle cherchait du travail et que donc, moi j'ai dit, ouh là là, si elle cherche du travail, moi j'en ai pour lui et tout ça, contacte-la, etc. Et donc, c'est lui qui l'a amené, mais après qu'il ait obtenu mon enthousiasme. Oui. Parce qu'on sent que, enfin, autant la préparation du film, comme vous l'avez dit, a été longue et laborieuse et même risquée, et en même temps, on sent effectivement, peut-être vous pouvez le confirmer, que le tournage, lui, y compris avec 2 acteurs qui avaient la réputation d'être supposés difficiles, oui. C'est un tournage plutôt fluide et heureux. Ben oui. C'est-à-dire que, ben oui, ça s'est très bien passé. Elle était formidable. Avec elle, j'ai beaucoup parlé. Je lui ai donné tous les détails possibles et imaginables sur la vraie Wanda et tout ça. Non, ça s'est bien passé. Oui, oui. Le bar, c'est en studio? Le bar, c'est un studio? Non. C'est un vrai bar. Voilà. Pendant les 7 ans que je restais à Los Angeles en train d'essayer de faire ce film, j'ai fait systématiquement à la recherche d'un bar, puisqu'on n'avait pas l'argent de construire un studio. J'ai fait tous les bars, et puis un beau jour, je suis tombé là-dessus. Et alors, j'ai commencé à demander, oui, comment ça se passe? Oui, il y a un hôtel à côté, et puis les gens de l'hôtel viennent picoler, et puis tout le temps, ils se battent. Dans la cour, là derrière, tout était vrai, tout était exactement comme fait pour le film. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui habitaient dans un hôtel, qui étaient des gens comme ça, qui picolaient, et puis qui allaient se battre. Et c'était tout comme le film, mais incroyable. Et... Donc là, j'avais trouvé mon décor. Et pourquoi il était bien? Pourquoi je faisais tous les bars? Parce que j'étais désespéré. Un bar, c'est terrible pour filmer un film. On ne peut pas avoir tout un bar qui se passe. Parce qu'un bar, c'est un couloir. Ce n'est pas un truc où il y a différents angles. Donc moi, j'étais désespéré. Et pourquoi je suis devenu fou quand j'ai vu ce bar? C'est qu'il y a une partie ronde au bout. Et cette partie ronde me permettait de faire tous les plans, etc. C'était ça le grand truc de ce décor. Pour moi, c'était de pouvoir placer ma caméra dans différents endroits. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle c'était rond. C'est parce que c'était un bar de classe. C'était un ex-bar de classe qui était complètement laissé à l'abandon, mais à l'époque... C'était un bar de classe parce que c'était un dessin de classe supérieure. Et il se trouvait à côté des studios à la grande époque des années 30, Paramount. C'était juste face aux studios. Et donc, c'était un bar où il y avait toutes les vedettes, tous les trucs, tout le monde allait là. Et puis, c'est tombé, puis il y avait l'hôtel à côté, puis il n'y avait rien. Puis en fait... Il n'y avait plus d'activité du tout, sauf des... Et puis, tous les rôles secondaires aussi, tous les gens qui habitaient dans l'hôtel à côté, ils sont tous dans le film comme figurants, évidemment. Ce que vous expliquez sur le bar, l'arrondi du bar, qu'on comprenne bien, c'est que ça vous permet de faire des champs contre champs, mais surtout, ça permet aux gens qui sont au bar de ne pas se regarder devant eux et de ne pas se voir, mais ça permet au regard... de se croiser, au regard de se rencontrer. En fait. C'est ça, ça permet toutes les directions de regard, ça permet mieux de voir l'entrée du bar, etc. Enfin, il y avait le nombre de choses qu'on pouvait faire grâce à ça. Il y a une chose sur la lumière qui est extraordinaire, je trouve, dans le film, mais ça, c'est les bars américains, c'est des endroits très sombres, en fait, oui. Et à chaque fois qu'un client ouvre la porte, oui. La lumière blanche californienne... Oui. Arrive dans l'obscurité et paf, la porte se referme. Il y a aussi autre chose, c'est que le chef opérateur, j'avais travaillé avec lui sur Tricheur et je voulais absolument travailler avec lui là parce qu'il était le plus grand spécialiste d'Europe pour filmer sans lumière. Et pour moi, j'ai toujours rêvé de ça. C'est pour ça que j'ai été le premier à faire des films sur les pellicules digitales, sur les... Et parce que, justement, je suivais Nestor Almendros, qui, lui, voulait pas qu'on sente la lumière. Tout le travail de Nestor Almendros, c'était de pas sentir que c'était éclairé, et donc il avait développé des tas de ruses, et pour lui, c'était... Je sais que tous les films que je fais en ce moment, sans aucune lumière, le Vénérable, le dernier, tout ça, c'est des... Chaque plan ferait le rêve de Nestor Almendros. Donc j'étais comme ça là-dessus. J'ai trouvé ce chef opérateur qui n'avait pas besoin. Roby Muller. Et donc quand on venait sur le tournage, les gens revenaient et disaient mais vous n'avez pas de lumière? Je dis non, c'est ça. Voilà, ce qu'on va voir à l'écran, c'est ça. Et ça, c'était très nouveau à l'époque. Mais attends... Parce que ça paraît pas possible. Il éclairait pas du tout, ou il éclairait très peu. Tellement peu que ça ne voyait pas du tout. Oui, mais pas du tout. Même pas pour les gens qui venaient sur le tournage. C'est là où c'est le comble. Et peut-être même il utilisait, on le voit dans le film ou dans l'appartement qu'il partage avec Wanda, c'est-à-dire qu'il utilisait vraiment la lumière des néons. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça aussi, j'avais choisi très soigneusement l'appartement de Wanda et j'avais fait mettre un néon sur le toit d'en face aussi. un néon que je voulais un cheval ailé et tout ça. Ça coûtait pas grand-chose et puis je l'ai fait installer et puis c'est très payant dans les scènes de l'appartement aussi. Oui. À la fin de notre discussion, on se fera un plaisir, on verra deux extraits qui nous permettront de voir le vrai Bukowski, le vrai Charles Bukowski, parce que vous l'avez filmé. Parce que tout le temps qu'on a décrit entre 80 et 87, vous avez aussi tourné avec Bukowski. Vous Oui. Avez fait des minutes, en quelque sorte, vous l'avez enregistré. Est-ce que vous pouvez nous raconter à la fois ce que c'est, ce qu'on appelle les Bukowski Tapes, ce que c'est et dans quel but vous faisiez ça? C'est très simple. Il se trouvait au cours de ces 7 ans que je passais des soirées inoubliables, extraordinaires, où on était pratiquement seul chaque fois. Il y avait quelquefois une troisième personne, mais et je me disais, mais c'est trop extraordinaire ce que je suis en train de voir, parce que ce qui se passait, c'est que dans une soirée avec Bukowski, c'est que à un moment, il prenait la parole, et hop, il était parti, et il faisait un monologue. Le monologue de 2, 3, 4, 5, 6 minutes, très peu, dépassant 6. Et donc, après, il savait qu'il avait très bien parlé, puis il disait, bon, et toi, alors, raconte-moi ceci. Et donc, il voulait que les autres présents, il ne voulait pas être le seul qui faisait des monologues, il demandait à tous les gens présents de aussi parler après lui, évidemment. La compétition est rude. Et donc, voilà. Et vous n'avez gardé, en quelque sorte, que ces moments à lui, quoi. Voilà, mais d'une part. Et d'autre, non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entendu parler d'une nouvelle manière de faire de la vidéo à haute définition, à l'époque, c'est-à-dire 1 pouce. Au lieu d'un truc, c'était de la vidéo à 1 pouce. Il y avait une caméra, donc j'ai dit, alors, on peut faire un documentaire et on peut filmer des soirées avec Bukowski en 1 pouce. Et donc, ça sera de la haute définition et ça pourra, bon, on pourra faire. Ça sera formidable d'avoir Bukowski en 1 pouce en haute qualité. Et puis, bon, le 1 pouce, malheureusement, il y a eu un petit problème, c'est que il était mis dans un laboratoire et que c'est le monteur qui l'avait mis dans le laboratoire, mais que le monteur a commencé à prendre du crack et qu'il était hors des responsabilités et d'ouvrir les lettres du laboratoire qui disaient si vous ne l'enlevez pas du laboratoire, il va être détruit parce que le laboratoire va changer. Et l'original était détruit. Et heureusement, j'avais quand même des copies qui ont servi de nouveau négatif, de nouvel original, mais qui n'ont jamais été à la hauteur du 1 pouce dont je rêvais. Mais ça fait rien, c'est quand même vrai, c'est quand même lui, etc. Et après, j'ai commencé à monter les monologues. Chaque fois, je trouvais... Alors, il y avait un sujet, un monologue, et puis ça a fait 50 épisodes. Je les ai tous gardés et je les ai montrés à Bukowski. Et il est revenu, il m'a dit, tu sais, c'est extraordinaire. Il parle de lui-même. Il me dit, je te dis, c'est vraiment extraordinaire. Mais tellement extraordinaire que cette série, ces 5 minutes mises bout à bout qui font presque 4 heures avec Bukowski, vous les avez diffusées à la télévision française au milieu des années 80, en 85, sur France 3. Oui. C'était pas la minute de Monsieur Cyclopète, c'était 5 minutes avec Charles Bukowski, tous les soirs, ou je sais pas à quel moment. À la fermeture de l'écran. La dernière, si on restait, on savait que c'était la fin. Alors, les gens n'étaient pas obligés de rester, puisqu'il n'y avait plus rien après. Alors donc, c'était moins choquant. Et je me souviens que Claude Chabrol, tous les soirs, il ratait pas sur FR3 les dernières minutes de... tous les soirs, ça passait. Mais est-ce que c'était aussi une manière de préparer le public français à Charles Bukowski? Non, non, c'est tout simplement de communiquer mon enthousiasme pour ce matériel, c'est tout. Non, non. Moi, de faire découvrir le Bukowski et sa pensée. Non, moi je pense que Bukowski a été découvert très rapidement tout autour du monde grâce aux livres. C'est-à-dire que sa carrière, c'était en Allemagne, on comptait que la quantité de papier qui était utilisée pour publier toutes les œuvres de Bukowski étaient supérieures à celles de la Bible. Quelqu'un avait fait ce calcul. Donc, en Allemagne, c'était une œuvre extrêmement connue. Il y avait d'autres pays où un petit peu, ça venait comme ça, et puis ça montait. Et puis, quand j'étais à Bogota, je parlais à des gens qui sortaient de prison, etc. Ils m'ont dit, en prison, tout le monde lit Bukowski. Après ça... je découvre des acteurs un peu underground russes. C'était il y a 10 ans, il y a plus, avant Poutine, oui. Et donc... alors si c'était encore plus loin, alors. Encore plus loin. Et donc, ils me disent, ces acteurs-là, ils me disent, nous, on ne jure que par ça, tout le monde chez nous a lu. Et donc, il y a toujours des clubs, des poches, des gens... qui connaissent et qui suivent Bukowski à l'époque. Maintenant, peut-être que tout le monde l'a oublié, je ne sais pas. Parce qu'il est encore très lu. Mais... Moi, je pense, bien sûr. Comment se mettre d'accord avec des gens comme Mickey Rourke et Faye Dunaway pour qu'ils jouent l'ivresse, mais c'est une certaine forme d'ivresse. C'est-à-dire que c'est l'alcoolisme... quotidien. Oui, c'est pas prendre une cuite et avoir la gueule de bois. C'est pas ça. C'est qu'on boit... tout le temps, tous les jours, dès le réveil. Est-ce que vous vous êtes dit il faut qu'ils boivent un peu vraiment? Est-ce que, enfin, comment on... Non, je ne crois pas, non. Tout simplement, il faisait une phrase comme ça, comme étant ivre, et puis je disais, et puis ils en faisaient une autre, et puis voilà, on arrivait, et on tombait sur quelque chose qui était crédible et qui ressemblait beaucoup à ce que je voyais avec Bukowski. Bien sûr, oui. Parce que vous étiez très soucieux de réalisme. Oui, toujours, oui. Toujours, ça c'est l'héritage que j'ai de Rohmer, oui. Donc ils marmonnent, ils parlent pas beaucoup en fait, enfin les phrases sont assez courtes, quoi. Mickey Rourke, il marmonne vraiment, et on sent qu'il joue en fait la bouche pâteuse, quoi. C'est ça le truc. Oui. Donc il n'y avait pas d'alcool qui circulait sur le tournage? Je crois pas. Je crois pas, non. Franchement, non. On n'avait pas beaucoup le temps de faire le film, donc il fallait pas s'amuser. Il fallait travailler. Et c'est ça qui est quand même magnifique avec les acteurs américains, c'est quand même s'ils sont ultra professionnels et quand il s'agit de faire dans un certain nombre d'heures, certain nombre de scènes, ils sont vraiment pas en train d'essayer de prendre un verre d'alcool sur le tournage. Ça. Et ils connaissaient leurs répliques. Ah ben oui, bien sûr, ils connaissaient le texte par cœur. Ah, et puis alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant que je filmais tous ces discours, c'était difficile de faire des discours. J'avais trouvé quelque chose, je lui ai dit, voilà, pour qu'il y ait une caméra qui tourne. Vous voulez dire avec Bukowski, quand vous étiez avec Bukowski, quand j'ai fait les enregistrements. J'ai dit, voilà, on va enregistrer... le dialogue du film. Je dis, si ça t'ennuie pas de lire le scénario, je vais te filmer. Et alors, il lisait le scénario, et puis à un moment, il s'arrêtait de lire, il dit, ah, tu te rappelles, moi je vais te rappeler. Et puis je disais, mais dis-moi, Vanda, c'était qui? Alors comment elle était? Hop, ça y est, il en parlait. Donc, il me donnait tout le matériel authentique pour le film, en plus, mais... l'argent pour faire le film était toujours très loin. Mais je continuais de faire tout ce qu'il fallait pour en savoir le maximum, pour être le plus fidèle possible. Voilà. La scène du maïs est particulièrement belle, je trouve. La scène du maïs. Le champ de maïs. Ah oui, le champ de maïs, parce qu'il y a un côté absurde à aller voler des épis de maïs. En plus, bien sûr, ils sont verts. J'ai été avec lui à l'endroit où il habitait, l'immeuble où il habitait. Et j'ai été, il m'a montré l'endroit où était le maïs. Tout, il m'a montré. J'ai refait cette scène-là exactement devant l'immeuble où il habitait, qui était devenu un autre immeuble où il y avait des gens. C'était différent, mais c'est les lieux mêmes. Les lieux mêmes. Et évidemment, quand on reprend les lieux mêmes, on retrouve plus facilement la course, les trajets des policiers qui les poursuivent et tout ça. Mais c'est très impressionnant de ce côté-là sur la topographie, parce que quand il se retrouve en voiture avec la fille, alors tout d'un coup, c'est la lumière de Los Angeles. Voilà. On quitte les néons, etc. C'est en plein soleil. Il est dans une bagnole un peu chic. Oui, oui. Et alors, en plus... Là, la décision, c'est sur Sunset, mais c'est sur ce qu'on appelle le Strip. Oui. Et donc, au-dessus, il y a le Château Marmont. Bien sûr, oui. Ça, c'était vraiment le côté... Allez, on change d'univers, quoi. C'est tout à fait autre chose. Oui. D'ailleurs, à un moment, quand ils sont dans leur appartement, à un moment de jour, on voit un palmier... Et on se dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est à Los Angeles. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la cave et dans le bar qu'il fait tellement sombre que tout d'un coup, le palmier a l'air un peu déplacé, quoi. Oui, oui. Et alors, il y a une histoire de palmier. Ah là là, je ne sais plus ce que c'était. Mais j'expliquais, je crois que c'était à Mickey Rourke, que c'était, pour moi, c'était très important... Los Angeles, parce que l'image pour moi de Los Angeles, et je cherchais des appartements où il y avait des palmiers dehors, c'était très important qu'il y ait des palmiers, et je sais pas qu'est-ce qu'il a sorti, je me souviens plus, mais il y a un truc où il est revenu avec un palmier miniature ou un truc, il m'a dit voilà, si tu m'as trouvé des palmiers, un truc qui n'avait rien à voir, qui n'était pas intéressant, mais il avait retenu le palmier et je ne sais plus comment il voulait le caser dans le film aussi. Mais chercher à vous aider, quoi. Voilà. Oui. Mais je ne me rappelle même plus. C'est drôle parce que donc sa performance est là, oui, il est formidable dans le film, mais en même temps, si je comprends bien, il était tout sauf facile quand même, Mickey Rourke. Il était... très facile sur le plateau, puisqu'il communiquait avec moi par télépathie. Donc c'était le comble du comble. Et il était ravi, lui aussi, qu'il sentait bien que ça marchait. Mais par contre, bon, alors ça c'est des détails, parce que quand on a un talent pareil, on ne va pas commencer à le dégommer trop, mais c'est vrai que... c'est vrai qu'il y a l'histoire de la Rolls-Royce qui est amusante. C'est-à-dire que il avait obtenu son $1 million, ou je crois que c'était quelque chose comme ça, mais il avait rajouté qu'il avait droit à la voiture de son choix pour l'amener au tournage. Alors, bon, bah, d'accord, bien sûr. Il dit, la voiture de mon choix, c'est une Rolls-Royce blanche décapotable. Alors, il était là en train de nous tester, quoi, en gros. Et on a consulté les avocats, on a consulté tout. Il a signé le contrat, mais il y a ça dedans. Il faut le faire, autrement on ne l'aura pas. Et alors, on a cherché partout. On ne trouve pas. Alors, le directeur de production me dit, j'en ai trouvé une Rolls-Royce brune, mais pas décapotable. Ou je crois qu'elle était... Non, elle n'était pas décapotable. Alors... je suis retourné vers Mickey Rourke, je dis, écoute, on cherche partout, on veut te faire plaisir, mais ça t'ennuie pas que ce soit une Rolls-Royce brune. Et puis bon, il dit, ah finalement, il a dit, bon, d'accord. Alors, attends, c'est pas fini. Parce que lui, c'est un fou de moto. Il faisait partie de gangs de moto, des trucs. Alors le matin, pour aller au tournage, il y avait la Rolls. Mais devant la Rolls, il y avait lui à moto. Et ils allaient jusqu'au tournage. Bon, voilà. C'est bien, ça fait aussi la légende des caprices hollywoodiens, quoi. Encore une chose, et peut-être... Il n'aime pas trop que je le raconte, mais bon. On lui répétera pas, mais... Non, mais c'est la vérité absolue. Ça peut être prouvé. Oui. Encore une ou deux questions. On prendra quelques questions du public et on vous libérera. Mais une dernière chose. Barfly, c'est à la fois... Bon, vous le tournez évidemment à Los Angeles, mais c'est l'inverse d'un film hollywoodien. Oui. C'est, on peut dire, le contre-pied même de ce qu'on peut attendre d'un film hollywoodien. Et en même temps, c'est le film qui va... débuter votre carrière américaine, puisque jusqu'en 1998, l'enjeu, Barfly 87, donc après ces 10 années de production hollywoodienne. Et j'aimerais vous lire un tout petit extrait de Hollywood, pour que vous me disiez si vous êtes d'accord avec Bukowski, ce qui vous fait parler. Et donc, il dit ceci à propos de Barfly. Il est dans la salle de mixage et vous vous adressez, vous êtes ensemble dans la salle de mixage, vous vous adressez à lui. Donc là, c'est vous qui parlez, vous appelez Yon. On est en train de mixer la musique, précisa Yon. Friedman et Fishman, donc ça c'est Golan et Globus, Friedman et Fishman sont tous les deux à Londres pour s'occuper d'une nouvelle affaire. Ils téléphonent 4 ou 5 fois par jour en hurlant « Arrêtez le mixage, arrêtez le mixage ». Je fais semblant de ne pas comprendre. On a choisi de la musique superbe, mais ça va coûter cher pour obtenir les droits. Friedman et Fishman veulent qu'on prenne de la musique en boîte qui ne coûtera rien, mais qui est horrible. Ça gâcherait tout le film. C'est pour ça que je mixe notre musique avec la bande-son, de sorte qu'ils ne pourront pas la supprimer plus tard. Là, Bukowski prend la parole. Tu avais déjà tourné un film dans des conditions pareilles? Et vous, vous répondez, non. Mais il n'y a personne de pareil à ces deux-là. Cependant, je les adore. Bukowski, tu les adores? Oui, ils sont comme des enfants, ils ont du cœur. Même quand ils essayent de te couper la gorge, ils le font avec une certaine chaleur. Je préfère de loin travailler avec eux plutôt qu'avec les avocats d'affaires qui dirigent la plupart des entreprises de Hollywood. Comme vous avez fait 10 ans de films, 10 ans de films hollywoodiens après ça, après Barfly... Vous vous reconnaissez là? Vous êtes d'accord? Vous préférez Golan Globus aux avocats d'affaires? Chaque mot que j'ai prononcé là, que vous avez lu, c'est absolument ce que j'ai pensé. Ce que j'ai dit, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé après Barfly, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui était chef du département de scénario de Golan et Globus. Il se trouve que c'était une femme brillantissime, qui connaissait tout à Hollywood, de tous les côtés, et que je me suis associé avec elle. Et donc, on a fait une société, Barbet Schroeder Film, avec elle. On était 2. Et donc, quand j'ai eu d'autres projets de films, je suis passé par mon associé, et elle était toujours là pour me conseiller, d'une part sur les scénarios, d'autre part sur qui était quoi dans chaque studio. Bref, il se trouve qu'en plus elle avait un don, ou elle a un don extraordinaire de savoir dans un scénario ce qui peut être amélioré. Qu'est-ce qui peut être amélioré sans trahir le scénario? Ça, c'est un don que très peu de gens ont. Et à Hollywood, ça se sait s'il y a quelqu'un comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on les appelle, on les consulte, on leur donne des scénarios à lire pour savoir quelle est leur idée. Alors, elle faisait partie de ces gens-là au plus. Donc, non seulement elle était bien vue par les gens des studios, parce que... Il savait que dans le passé, il lui avait demandé des choses, des tuyaux, et qu'il considérait que son avis était vraiment valable. Donc voilà, c'est tout simplement dans cette association que j'ai trouvé la solution et l'approche de tous ces avocats auxquels je n'avais pas besoin de parler, puisque c'est elle qui leur parlait. Oui, mais en même temps, ce que dit Bernard, c'est que c'était des Hollywood très différents, c'est-à-dire que Golan et Globus, c'était vraiment des aventuriers complètement dingos, quoi. Enfin, oui, bon, voilà. Oui. Ensuite, il y a eu le Mystère von Bülow, par exemple. Là, c'était plutôt un indépendant ou c'était un studio? C'était indépendant, mais le studio était déjà là. Le studio était déjà là et non, c'était un mélange des deux, quoi. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a des différences de production, de pouvoir, toi qui détestes le pouvoir, quand même. Oui, c'est-à-dire que ces gens-là, pour le coup, eux, ils détiennent le pouvoir et ils en usent. Donc, est-ce que c'est plus facile avec certains? Est-ce que c'est plus dur avec les studios? Est-ce que c'est plutôt plus facile pour l'auteur, pour le cinéaste, avec des indépendants? Enfin, quelle est la formule, disons, la moins... Ça dépend... conflictuelle. Ça dépend quel genre de film on veut faire. Si on veut faire un film qui va pas leur plaire, comme Barfly, on peut passer 7 ans. Si on veut faire quelque chose qui peut quand même leur plaire, mais où on peut avoir autant d'apports que possible, eh ben, à ce moment-là, c'est plus possible. Mais c'est toujours difficile. Et moi, j'ai jamais fait un film, là-bas à Hollywood, sans avoir le montage final. Puisque nous étions producteurs, mon associé et moi, et cette société avait le montage final. Bon, évidemment qu'eux, ils avaient leurs idées, qu'ils voulaient, qu'on négociait, mais au bout du compte, c'était moi le dernier mot. Ouais. Jusqu'au jour où on a fait un film, 6 mois de montage, 6 mois de tournage, 80 millions de budget, sur lequel on n'était pas d'accord. Et moi, j'ai dit non, mais tant pis, j'ai quand même... Et puis, il s'est trouvé qu'un beau jour, dans la salle de montage, sont arrivés des gens qui ont dit « Nous avons ordre de saisir tout pour... » En fait, ils voulaient faire le montage. Alors, c'était donc le... Comment ça s'appelle? Le Desperate Measures, je ne sais pas que les titres. Ah, l'enjeu. L'enjeu, voilà. L'enjeu, avec Andy Garcia et Michael Keaton. Et donc, ils l'ont pris, et c'était évidemment l'angoisse. Et là, j'ai été voir les avocats, et je leur ai dit, mais j'ai le montage final. Il dit, oui, mais personne ne cherche jamais à tester les choses comme vous. Ça c'est, en réalité, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain budget, d'un certain temps de tournage, même le final cut, en fait, tu l'as pas. Si le studio, tout simplement, si le studio ne croit pas au film tel qu'il est, il ne va pas le distribuer. Il le laisse, il le range, il dit « perds tes profits ». Tandis que là, ce qui s'est passé, c'est très amusant, c'est qu'il y avait un type dans le studio qui savait exactement tout ce qu'il fallait faire pour faire ce film bien. Donc, ils ont passé des mois et des mois. Ils ont passé plus de 6 mois. Et nous, on était toujours dans notre salle de montage et on disait « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Finalement, au bout de 6 mois, ils ont donc reçu la copie. Nous, on l'a reçue, on était évidemment horrifiés, mais bon, on disait, bon, on va voir ce qui se passe, s'ils vont l'imposer. Et puis, eux l'ont vu, ils se sont beaucoup grattés la tête, et puis, non, ils ne sont pas grattés. C'est moi qui l'ai vu, et puis après ça, je les ai contactés. Je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, c'est très simple. Vous avez une version. Moi, je suis d'accord que votre version aille dans les cinémas. Je veux pas. Tout simplement, la seule chose que je vous demande, c'est de faire une preview dans 2 salles de la même taille, avec le même public, les deux. Et celui qui gagne, je vais pour celui qui gagne. Ils ont dit non, on ne fait pas ça, vous avez le droit. Mais au final, voilà donc, comment ça s'est terminé. Au final, vous reconnaissez comme le vôtre le montage de l'enjeu Desperate Measures? C'est votre montage? Oui, pratiquement. J'ai laissé quelques voix, disons qu'il y a 5 plans qui sont un peu trop. Dans les trucs de voiture, à la fin, il y a des trucs un petit peu... Mais autrement, non. Et surtout, il y a pour moi, ce au quoi je tenais le plus, c'est le père et le fils qui, la nuit, dans les couloirs, il y a les dialogues entre eux et tout, c'est bouleversant, tout ça. Tout ça, vous voulez l'enlever, ça? Ils l'ont enlevé dans leur version, oui. Et donc, leur version, j'étais d'accord de la jouer, mais eux, ils voulaient plus. Bonjour, merci beaucoup pour ce film parce que c'est un film sur la liberté aussi d'un monde qui, je crois, c'était Bukowski racontait que ces bars-là ont aussi en grande partie disparu et que ce sont des endroits qui n'existent plus. Et je me demande d'ailleurs si un film comme ça pourrait encore se faire aujourd'hui. Et il y a une texture, il y a une sensualité quand même, et j'ai l'impression que le travail aussi avec Milena Canonero, et je ne sais pas comment vous avez travaillé sur cette je sais pas, les textures, le sang, le... Vous m'entendez ? Ça va ? Non. À propos de Barfly, ce qui a lui a beaucoup plu, c'est la texture du film. Donc nous, on a parlé de la lumière, mais... Oui. Elle mentionnait le travail de la costumière Milena Canonero. Ah ben, évidemment, c'est la plus grande. Non, vraiment, c'est une des plus grandes. Et j'ai eu une chance inouïe qu'elle se joigne à nous. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a un goût parfait et surtout une connaissance de comment exprimer un personnage à travers son costume, quoi. C'est la plus grande, c'est la mieux, et j'ai eu la chance de la voir pour ce film. Elle a fait beaucoup de productions très importantes. Elle a fait Barry Lyndon de Stanley Kubrick, me semble-t-il. Oui, oui, carrément. Oui, elle a commencé avec Stanley Kubrick. Oui. Et la chose que je voulais aussi savoir, c'est que j'avais entendu Faye Dunaway dire qu'elle était arrivée, je crois, 2 semaines après le début du tournage, et que vous lui aviez montré en fait les oui, rushs. Oui. Et quand elle a vu voilà, l'ambiance, l'atmosphère, oui, que ça lui avait énormément... aidé, ça l'avait beaucoup aidé à tout de suite rentrer dans cet état d'esprit. Et c'était un peu ma question, c'est comment, enfin, quel ordre, comment vous avez tourné en fait? Est-ce qu'il y avait est-ce que vous avez tourné dans l'ordre chronologique? J'ai essayé de tourner dans l'ordre chronologique, je me rappelle plus. En même temps, on avait tellement peu d'argent que il fallait vraiment tourner ce qui était le plus. Oui. Donc, si vous aviez peu d'argent et peu de temps, la logique voudrait que vous ayez tourné, pas forcément dans l'ordre, mais disons toutes les scènes qui se déroulaient plusieurs fois dans un même endroit, soient tournées consécutivement. Ça y est, ça me revient. Maintenant, tout ce qui était dans le bar, tout ce qui était dans sa chambre à coucher, elle n'était pas là. Sauf la scène après où on est revenu dans le bar pour la bagarre et tout ça. Mais donc tout ça... c'était déjà tourné, les bagarres aussi, c'était déjà tourné. Donc, j'ai pu lui montrer pas mal de trucs où elle s'est rendue compte qu'elle avait à faire un film où, si elle commençait à faire ce qu'elle a toujours fait sur tous les films, vouloir des choses, des mèches, de ceci, tu vois, que tout le monde, personne ne l'écoutait. Et donc, elle était très intelligente, elle s'est rendue compte très bien qu'elle était dans un genre de film où il fallait qu'elle adopte un style beaucoup plus vrai. Donc elle a accepté de jouer sans maquillage, les cheveux vraiment sales. Oui. Bon. Enfin, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment sales, ils étaient suffisamment sales pour l'écran. Et elle était un tout petit peu maquillée, mais ça ne se voyait pas, etc. Ouais. Donc, c'est des choses qui, normalement, avec elle, telle qu'elle avait la réputation, j'aurais pu passer des semaines et des semaines à me bagarrer pour dire non, ce qu'il faut, c'est ceci ou cela. Là, il suffisait de voir le film, il a tout de suite compris. Dans vos films précédents, vous avez toujours collaboré au scénario, et là, vous étiez au service de Bukowski entièrement. Et je voulais savoir si vous aviez dû retravailler un peu le scénario après, parce que Bukowski n'est pas scénariste de cinéma, il est écrivain, donc je voulais savoir... Ah non, si... non, c'est-à-dire que... Il n'y avait pas à retravailler après, on était tout le temps ensemble. Chaque fois que je voyais quelque chose qui ne me plaisait pas trop, je lui disais, là, tu crois qu'on pourrait changer un petit peu ça? Je lui demandais même des idées. Je lui dis, tiens, là, à la répétition, là, ils sont tous les deux devant la porte, et puis j'ai besoin de quelque chose qui les fasse tourner pour regarder le fond du couloir. Qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent voir? Est-ce que tu as une idée de ce que je peux faire pour attirer le regard là-bas? Il dit, ben écoute, voilà, il y a 2 mecs qui reviennent avec un poulet qu'ils ont volé et qui ils rentrent dans la chambre. Je lui dis, c'est génial ça, tout de suite. Elle... Alors voilà, ça c'est carrément un gag qui vient de Bukowski lui-même. Donc voilà le genre de travail, de collaboration qu'on a. Mais ce qui veut dire qu'il venait un peu sur le tournage? Non, il est venu peut-être 2 fois. Et bah, bien sûr, il est dans une scène, plan, ouais. Mais il est venu et il disait je veux surtout pas venir trop sur le tournage, je veux laisser le film se dérouler comme il est en train de se dérouler, parce que ça, c'est je veux pas, je veux pas. Il pensait que c'était mauvais s'il était trop sur le tournage. Donc c'est toujours une intelligence extraordinaire de sa part. Monsieur ? Oui, parlez fort. Je vais rebondir sur la question de la première, de la personne là, qui est devant moi. Par rapport au tournage, bon, je ne connais pas les usages aux États-Unis, mais en ce qui concerne les rushs, est-ce que vous aviez vu les contraintes, le peu de temps de tournage, vous aviez quand même le temps de voir les rushs, et est-ce que donc vous en avez parlé par rapport à Faye Dunaway, Mickey Rourke, il regardait les rushs aussi, et Bukowski éventuellement? Non. Moi, j'ai pas de souvenir. Je sais que les productions de rush, on avait avec le chef opérateur, bien sûr, c'était pour virer. Mais je crois pas qu'il y avait séance de rush avec avis de tous les gens importants sur le film, chacun a un avis sur ceci. Non, c'était vraiment pour le chef opérateur, il avait besoin de vérifier certains trucs. La lumière, c'est trop, c'est pas daté, mais c'était de cet ordre-là. C'était pas du tout du jeu des acteurs, ni du costume, ni tous ces trucs-là, non. Bonjour. Merci beaucoup et bravo pour ce film, évidemment, et pour les entretiens que vous avez pu faire avec Bukowski, qui m'ont énormément touché. J'ai eu la chance de tous les voir. Je voulais... Parce qu'on les a passés dans la rétrospective. Oui, je sais. Oui. Je voulais savoir comment Mickey Rourke avait trouvé son personnage, sachant qu'on y reconnaît évidemment beaucoup Bukowski, avec une voix un peu traînante, chantante, des mimiques un peu de singe. Enfin, comment est-ce qu'il a créé ce personnage alors qu'il a été, apparemment, d'après ce que vous dites, très peu en contact avec lui, que Bukowski était peu sur le tournage? Oui. Donc, voilà. Il n'avait jamais lu un livre de Bukowski, il ne savait pas qui c'était, mais pendant tout le temps que je ne pouvais pas tourner ce film, j'ai tourné donc ces interviews. J'en avais fait une version de 52 minutes et je les lui avais laissées à Mickey Rourke. Et donc, on a commencé à tourner sans qu'il ait lu, mais très rapidement après, il était seul dans sa roulotte et entre les plans, il regardait toutes ces tapes. Et il a petit à petit... il s'est rendu compte que Bukowski avait une manière de parler qui avait un rythme, une musique. Et puis, comme il est un acteur brillantissime, il a compris que cette musique allait un petit peu avec ce texte. Et donc, il l'a introduite dans le film et tout simplement, il parle pas comme Bukowski, mais il l'utilise un petit peu parce qu'il a découvert que c'était dans le texte lui-même. Mais c'est pour ça que, du fait de cette musique de Bukowski, du texte, vous avez fait respecter sur le tournage le scénario à la virgule près. Ah oui, bien sûr. Ah non. Après cette année... Un acteur aurait pu vouloir ajouter... Non, oulala. Ça, il n'aurait pas entendu une approbation de ma part. Non, parce que... non, pas du tout. Il n'en était pas question. Après toutes ces années, non. Merci beaucoup pour ce film. Et je m'interroge encore sur la scène de la bagarre féminine à la fin. Je la trouve d'une vigueur qui surpasse bien des bagarres masculines que j'ai pu voir avant. Donc, oui, est-ce que vous avez des références? C'est tout simplement quand on travaille à Hollywood et qu'on fait des films d'action et de bagarre, on a des gens qui sont là pour vous aider à dire voilà. On pourrait faire ça aussi en plus, et puis en plus ça. Et donc, on arrive à créer des bagarres. Avec l'aide de ces gens, on crée des bagarres terribles. Toutes les bagarres du film ont été faites comme ça. Et il y en a qui étaient écrites, comme celle de Bukowski, mais entre les femmes, c'était une création entre les actrices. Mais les actrices avaient pas vraiment des idées, c'est pas le genre de choses qu'elles font souvent. Et donc c'est plutôt les spécialistes de ça. Et évidemment, il y a des femmes aussi qui disent, tenez, on va vous montrer, regardez, hop, on peut basculer sur la table, on peut faire ça, etc. Et voilà. Et donc on écrit, ça peut se faire très vite, hein, ce genre de. Une fois qu'on a décidé quels étaient les différents plans, ça va assez vite. S'il y a des professionnels qui font la doublure, et là il faut choisir quelle est la part de doublure, quelle est la part de, voilà. C'est tout. Enfin, c'est quand même. La question de monsieur me fait penser à ça, c'est quand même un grand film de bagarre au pluriel. Hein. Oui. Ça se bagarre entre femmes, oui. Ça se bagarre, le couple à côté, le couple sadomaso, oui. Il joue à se bagarrer, oui. Ça se bagarre entre hommes et femmes. Oui. Enfin, c'est presque un... L'idée tout le temps de se battre avec le barman, oui, c'est le gentleman gym à l'envers, quoi. Hein, oui, mais, oui. Vous savez, il y avait, c'est Jean-François Roger, le directeur de la programmation, il passe son temps à me répéter une phrase de Raoul Walsh qui dit, Raoul Walsh, quand tu ne sais pas quoi faire et quand tu t'ennuies, déclenche une bagarre. Et on a l'impression que c'est un peu la vie de Mickey Rourke dans le film. Merci monsieur Schroeder pour votre cinéma. Comme on a beaucoup parlé de Barfly aujourd'hui, je voudrais aussi qu'on élargisse sur toute votre filmographie. J'étais pas présent à vos autres interventions, donc je ne sais pas si vous avez abordé le sujet, mais est-ce qu'il y a, comme vous avez plusieurs carrières dans votre vie de cinéaste, est-ce que vous estimez qu'il y a un fil conducteur à tous vos films, qu'ils soient documentaires ou fiction, ou est-ce que vous avez plusieurs carrières de votre point de vue ? Il y a un fil conducteur. J'ai fait du documentaire depuis le début, sur tous les films de fiction et sur tous les documentaires. En disciple de Rohmer, j'étais acteur sur La boulangère de Monceau, et un des moments les plus marquants, moi je voulais être cinéaste évidemment, et quand je l'ai vu discuter sur le nombre de pièces de monnaie que coûtait le petit morceau de pain que j'avais acheté, parce qu'il disait non, là le prix de ça c'est ça, donc c'était vrai, le prix qu'il y avait dans ma main. C'était absurde, ça ne servait à rien. Dramatiquement, ça ne servait à rien, mais c'était vrai. Et puis, ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Il dit vraiment, là, il fait du documentaire, quoi. Mais encore plus que du documentaire, on se base sur la vérité. Et puis, justement, après cette scène-là, je sors de la boulangerie et je tourne le premier coin et je continue à marcher. Et puis, après, il repère l'étage qui est au-dessus de ce coin. Il fait 2 étages au-dessus. Il monte, on demande à tourner depuis là-haut. Donc, je refais le même plan que je tourne autour du coin. Et j'ai dit, mais ça, alors, pourquoi il a été mettre ça au 2e étage, là-haut? Je me suis renseigné, évidemment. Et toutes les histoires des contes moraux, c'est... quelqu'un qui perd son temps avec une femme et un A, et avec qui la plupart du film, et la femme 2, c'est la femme de sa vie qui va rejoindre au bout du compte. Eh bien, la femme 2, elle habitait cette fenêtre-là. Et on découvre après qu'en fait, c'était ça, etc. Voilà, donc c'est très subtil, mais c'est pour dire qu'à la fois sur la position... voilà, enfin, c'est ça que j'ai vraiment appris avec Rohmer beaucoup. C'est la mise en scène. Comment? C'est la mise en scène. Bah, oui, la mise en scène vient avec, oui. On va prendre une dernière question, puis après on va regarder ensemble Bukowski. Ah oui, hein? Ah très ouais. Bien, oui. Ah, oui. J'ai juste une dernière question, je voulais savoir si Rohmer avait vu Barfly ou pas, en fait. Qu'est-ce qu'il en avait pensé? Bien sûr, non, Rohmer, il a vu tous mes films. D'accord. Lui, il disait que c'était tellement fort, le dialogue, que c'était aussi fort que Prévert, que c'était un dialogue qui avait la force de Prévert. Ah ouais. C'est-à-dire que lui, il était dans une génération où... Prévert était très important comme dialoguiste, ça apportait de la vie au film. Et donc, lui, il voyait Bukowski un peu comme ça. Avec le dialogue de la voiture, par exemple. Quand l'éditrice lui dit « Mais tu sais, les riches aussi ont leurs problèmes. » Oui. Et il répond « Oui, mais enfin. » Quand même. Bon, on va aller s'asseoir, mais d'abord, Barbet Schroeder, un grand merci pour tout. Merci.